Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire de la chaîne et de l'Instagram Quand Lily dort maman cou. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui je pense sera assez courte. Je vais vous faire un petit bilan couture tricot. J'ai une pièce de couture pour moi à vous présenter et deux pièces tricotées que j'ai faites là courant du mois septembre-octobre. Alors, on va tout de suite commencer avec la pièce couture. Il s'agit d'une robe que j'avais commencé tout de suite en rentrant de vacances début septembre et que je viens seulement de finir ce week-end, donc le 14 octobre. Je ne mets normalement jamais un mois pour faire une pièce, mais là le projet s'est avéré un peu compliqué. J'ai rencontré des difficultés, j'ai dû beaucoup réfléchir en amont à comment j'allais solutionner mon problème. J'ai fait des modifications de patronage et de grosses modifications sur la gamme de montage pour arriver à une pièce finie qui me convienne. Alors j'ai totalement réussi à faire quelque chose de satisfaisant pour moi à la fin, donc je vais vous détailler un petit peu toutes les étapes. Avant de parler en détail du modèle, je vais déjà vous faire ma petite autre promo. Vous rappeler de penser à vous abonner à cette chaîne, à mettre un like et un commentaire également si vous le souhaitez, si cette vidéo vous a plu. Alors, avant de commencer aussi, aujourd'hui je suis en cousu-main, donc je porte une petite blouse en voile mousseline toute transparente. C'est un modèle de la coupe d'or dont je vous ai déjà parlé dans un de mes bilans couture. Si j'y pense, je le mettrai dans le petit i. Et puis en bas, je porte un pantalon noir, mon jean douce de l'Americana Pattern. Pareil, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Alors, la robe dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la robe La Nîmoise de Atelier Maelstrom. Je ne sais pas comment on dit. C'est une robe qui me plaisait beaucoup parce qu'elle a une coupe très sympa. Elle est cintrée à la taille. Il y a des empiècements hauts avec des fronces sous poitrine. La jupe du bas est faite en plusieurs pans avec de grosses poches plaquées. On peut ajouter des poches plaquées au niveau de la poitrine si on le souhaite et également au niveau du dos de la robe, au niveau des fesses. C'est une robe qui va de la taille 34 à 46. Donc c'est une gamme de taille assez réduite, mais bon, pourquoi pas. Ils annoncent une difficulté de 2 sur 4 et une durée de couture de 4 à 5 heures. Bon, vous avez compris, j'ai mis beaucoup plus que 4 à 5 heures vu que j'ai mis un mois. Mais bon, voilà. Dans les spécificités aussi, elle vous propose deux cols. Donc un col pointu classique ou un col un peu rigolo avec double pointe. Et voilà, la taille du patron, la stature est de 1,65 m. Et je crois que c'est à peu près tout pour les détails. Alors, moi, j'ai acheté cette robe. C'était une robe qui me faisait de l'œil depuis un moment. Je trouvais sa coupe très structurée. Le fait de pouvoir la faire dans un tissu avec un peu de tenue type jeans, je trouvais ça sympa. On peut la faire aussi, j'ai oublié de vous dire, avec ou sans manches. Donc, je trouvais que c'était bien pour faire une robe un peu de demi-saison. Le côté de la robe qui se ferme avec le zip, je trouvais ça très jolie, ça rajoutait un côté féminin à la robe qui est plutôt type jeans, donc ça faisait un côté féminin masculin, bref, ça me plaisait beaucoup. Il y a plus d'un an maintenant, j'avais fait une commande Driesenstoffen où j'avais acheté un coupon de jeans du, comment ils appellent ça, leur Keper Jeans Stretch là, ou je sais pas quoi, rouge, comme ça. Alors là, il sort très framboise, j'ai fait mes photos portées, ça sort très framboise. Mais en fait, il n'est pas du tout framboise, hein, il est rouge. C'est un jean qui est annoncé comme stretch, mais en fait, il y a très très peu de stretch. Un tout petit peu de stretch, mais vraiment pour le confort. Moi, je pensais au début me faire un pantalon avec. Je voulais me faire un pantalon douce, d'ailleurs, comme je porte aujourd'hui, rouge.
Et en fait, quand j'ai vu l'élasticité, ça n'allait pas du tout. Mais ensuite, j'ai pensé à ce tissu pour la robe lanimoise. J'ai acheté la robe du coup sur un coup de cœur sans vraiment regarder ni réfléchir. Et quand j'ai ouvert mes fichiers, j'ai eu une première déception entre guillemets. Là, c'était ma faute. Si j'avais lu le descriptif avant d'acheter le patron, je l'aurais vu. La marque propose un PDF par taille. C'est-à-dire que vous n'avez pas un PDF avec les tailles 34 à 46 avec différentes lignes. Non, vous avez un fichier par taille. Et là, c'est posé le premier problème, c'est que pour tout le tableau de taille, je fais un 40 à la poitrine, un 40 à la taille, mais un 38 aux hanches. Donc j'aurais aimé pouvoir imprimer les deux tailles et puis grader. C'était pas possible, donc bon, j'ai gardé la mesure qui, selon moi, était la plus importante, c'était tour de taille. C'était un 40, donc je me suis coupé un 40. Et effectivement, j'aurais dû, enfin, si j'avais pu grader, ça aurait été mieux, puisque je trouve le bas de la robe est un poil trop grand. Si je refais une prochaine version, je rognerai un peu les marges de couture sur le bas de la robe, parce que je trouve que c'est un poil trop ample au porté. Après, c'est du ressenti personnel, hein, mais elle me va. Hein. Voilà. Deuxième chose, alors j'ai fait des modifications de patronage, c'est-à-dire que comme la robe est pour une stature de 1m65 et que je fais 1m70, j'ai tout simplement rallongé les pièces jupe de 5 cm pour pas que la robe soit trop courte, puisque d'après les photos, elle était vraiment au-dessus du genou. Et donc par expérience, je sais que quand c'est au-dessus du genou sur les photos, j'ai plutôt des jambes longues. J'ai pas vraiment un buste long, mais plutôt des jambes longues. Donc j'ai rallongé uniquement sur les jambes. J'ai rallongé donc de 5 cm et ça tombe très très bien. Donc j'ai coupé mes pièces, comme elle disait. Le métrage qui est préconisé, je ne sais plus quel métrage préconisé. Hein. Mais ça tombait vraiment pile poil. Au millimètre près. Il m'aurait pas fallu un centimètre de moins parce que sinon ça n'aurait pas été du tout. Hein. Alors là je suis sur le tour 2. Non. Voilà, métrage. Qu'est-ce qu'ils disent? Un tissu en laisse de 140 pour réaliser une robe sans manches 160 cm. Ah oui, et moi j'avais que 150. Et j'ai réussi à la faire rentrer, mais vraiment au chausse-pied. Donc le métrage est exact. Et si on veut faire une version avec manche, il faut 2 mètres. Donc c'est assez raisonnable. Hein. Donc j'ai suivi le pas à pas de montage de la robe. J'ai assemblé tout mon haut, les parties hautes, les empiècements devant, les fronces, la ceinture, les parties basses. Et puis quand est arrivé le moment où il fallait en fait poser le col et poser la parementure, là j'ai pris un peu d'avance sur le livret, j'ai tout lu et je me suis dit, mais Claire, qu'est-ce que c'est que ces finitions? Alors déjà, il y a un premier truc qui m'a un peu interpellée, c'est qu'au tout début du patron, elle vous dit... Préparation des pièces. Avant toute chose, vous devez surjeter toutes vos pièces, sauf le bas de la robe si vous ne désirez pas faire un ourlet, mais des franges. Ok. Moi, je l'ai écouté, j'ai surjeté toutes mes pièces et puis après, pendant l'assemblage, je me suis dit non, mais non, j'aurais pas dû surjeter toutes mes pièces. Il y a des endroits où du coup, on fait pas des coutures ouvertes, mais des coutures qui se rabattent et ça fait double épaisseur de surjet. Donc, j'avais pas trop aimé. Et puis quand je suis arrivée au moment où je devais monter le col et la parementure de devant, parce qu'on peut laisser le col ouvert, donc c'est fini avec une parementure, je me suis dit que c'était pas joli du tout. Et là, les problèmes ont commencé. Donc je vais vous montrer ma robe pour que vous vous fassiez une idée de ce que j'ai fait. Donc, voici ma robe. Jusqu'en bas. Hop. Et le dos qui est comme ça. Alors, le bas de la robe, c'est tout simple. Vous avez devant, vous avez un pan de chaque côté avec les grosses poches plaquées. Ça, c'est super bien expliqué. Le dos est en quatre pans. Un,
2, 3 et 4. Donc ça c'est bien, ça suit bien les formes du corps. Pour le haut, alors vous avez le devant. En fait, comme il y a des manches un peu kimono, vous avez une partie droite. Et puis le devant qui est en deux pans. Le pan du milieu se fronce pour aller correspondre avec la ceinture. Pareil devant. Et alors au dos, vous avez pareil, une partie haute. Et puis une, deux, trois, quatre parties basses pour le haut. Et les deux du milieu sont froncés. Ça, ça crée le volume du dos et du devant. Donc tout cet assemblage-là, le bas, le haut, nickel. La ceinture, c'était bien expliqué. Alors là où je vous disais que ça faisait un peu trop d'épaisseur, à mon sens, c'est que au niveau de la finition de la ceinture, elle vous dit de donc rabattre les marges du bas et du haut de la robe vers l'intérieur de la ceinture. Ce qui est logique et ce qui fait que ça tombe bien. Mais du coup, on se retrouve à l'intérieur avec la ceinture, avec les marges distinctes et surjetées en plusieurs fois. Donc ça crée des épaisseurs. Alors que j'aurais préféré finalement qu'elle me fasse assembler tout le haut, l'assembler à la ceinture et surjeter tout ensemble. Parce que là, du coup, ça me fait deux épaisseurs de surjet, alors que j'aurais pu n'en avoir qu'une et que ça aurait mieux sécurisé l'assemblage. Bon, voilà. J'ai pas respecté le moment où elle disait d'assembler le zip parce que dans ma tête je comprenais pas pourquoi assembler le zip au début. Bref, je croyais que c'était pas bien. Donc j'ai préparé toute ma robe et il me restait plus que le col à poser et puis la parementure intérieure. Et là je me suis rendu compte que il fallait poser le zip, la parementure, le col dans un ordre et dans un sens qui ne m'allait pas du tout. Ça faisait des finitions apparentes. La parementure est censée n'aller que sur la partie devant jusqu'à la ceinture et la couture épaule. Il n'y a pas de parementure sur le dos et la parementure ne court pas jusqu'au bas du zip. Donc, j'ai trouvé que ça faisait une finition bizarre, surtout que la robe se ferme avec un zip, que le zip est légèrement plus court que la robe, et je me disais, mais alors, se dire qu'à l'intérieur, je vais avoir un truc de zip, ça va être très moche. Donc, bon, comme vous l'avez vu, j'ai fait une parementure. En plus, elle disait de poser le zip, puis la parementure, et par-dessus le col. Ce qui fait que le col n'était pas censé être pris en sandwich entre la parementure et le corps du tissu. Donc on aurait eu une couture apparente, ce qui est très laid. Si déjà on s'embête à faire une parementure, il faut qu'elle cache les coutures intérieures. Donc bon, bref, ça ne me plaisait pas du tout. J'ai réfléchi posément et j'ai repris mes pièces de patron. Donc là, on avait une pièce de patron qui présentait la parementure comme ça en un seul tenant. Donc je suis partie de cette pièce de patron. Je vais vous la trouver. Voilà, qui était la parementure. Je l'ai posée sur mes autres pièces de patron et j'ai totalement décalqué une nouvelle parementure. Comme ça. Et alors là, j'ai fait une parementure qui est à la base la parementure normal de la robe jusqu'ici à ces petits repères là, et ensuite j'ai rajouté une longueur qui va tout du long jusqu'au bas de la robe, et puis j'ai également décalqué en partant de la largeur épaule une parementure pour le dos qui a affaire au pli pour que ce soit joli. Donc j'ai ensuite coupé mes parementures. Alors, comme j'avais déjà coupé ma parementure en jeans, mais que j'avais plus de jeans, j'ai fait une bidouille. J'ai coupé dans un morceau de toile de coton. Bon, j'en ai plus. Comme ça, avec des petites étoiles. J'ai coupé le bas de la bande de parementure dont j'avais besoin, que j'ai assemblé à la parementure en jean pour faire une parementure intérieure complète. J'ai assemblé ma parementure en entier. Donc par les épaules, ici, j'ai bâti mon zip sur la robe. Je suis venue poser le col en haut, recouvrir
le col et le zip avec ma parementure et tout coudre tout d'un coup. Ensuite, j'ai tout retourné et ça m'a donné du coup une finition nickel. Et puis, j'ai tout surpiqué. Donc, j'ai l'extérieur avec le col qui est pris en sandwich et maintenant l'intérieur avec le col qui est pris en sandwich et une jolie parementure qui court tout partout à l'intérieur, de devant jusqu'à en bas. Le fait d'avoir fait une parementure complète m'a aussi permis de pouvoir faire l'ourlet du bas différemment. C'est-à-dire que normalement, comme je n'étais pas censée avoir une parementure en bas, une fois en bas du zip, j'étais censée faire un rentré dans ce sens et un rentré dans celui-là pour cacher le zip et avoir une couture accrue. Je trouvais ça pas joli du tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Je vais vous montrer sur un tissu. J'ai replié mon tissu comme ça. J'ai fait une couture là, toute droite. Et puis après, j'ai sorti mon angle pour que ça me fasse en fait un départ avec un coin propre, un départ pour faire mon ourlet intérieur et puis ma parementure intérieure. Bref, je ne sais pas si vous allez comprendre, vous avez peut-être déjà vu cette technique dans d'autres patrons. Donc moi à l'intérieur, ça me fait un coin qui est tout propre. Alors on finit avec le surjet bien sûr, mais c'est propre. Là j'ai fait mon repli pour l'ourlet bas qui était déjà prédessiné. Et puis mon zip est complètement pris en sandwich. J'ai fait ensuite une surpiqûre décorative pour tout maintenir ensemble aussi le long du zip et qui court et qui fait en fait le long du zip, l'ourlet et qui tourne tout autour de la robe. Voilà, alors vous allez dire c'est pas grand chose comme modification, mais en fait le patron était vraiment, j'ai trouvé, assez mal expliqué. Si vous avez un niveau en couture, vous vous posez, vous réfléchissez, c'est bon. Mais je trouve que là, le fait d'avoir des explications qui sont pas très bien expliquées, pas dans un ordre très logique et qui ne me convenait pas, il m'a fallu un certain temps en fait pour sortir du livret de couture, réfléchir et me dire « Attends Claire, si c'était un patron la coupe d'or et que tu n'avais aucune gamme de montage, comment tu le montrais ?» Et là, après, j'ai commencé à réfléchir comment j'allais repatronner mes pièces et remonter mes pièces, etc. Donc, bon, bah, voilà, c'est la robe est très, très jolie au fini. Je trouve que le patron taille très bien, hormis le fait que j'aurais aimé pouvoir grader le bas en 38, mais ça sera facilement rabotable pour une prochaine version. C'est un très beau patron, la robe a un super beau tombé, elle taille très bien, l'aisance donnée est parfaite, mais c'est dommage, la gamme de montage pourrait être carrément revue et réévaluée, ce serait un grand plus pour cette robe. Je pense aussi que le gros point noir, c'est cette histoire de un fichier par taille. Alors eux, ils mettent ça en avant bien sûr comme un avantage, en disant vous n'allez pas avoir plein de lignes qui se chevauchent, qui s'entrechoquent, etc. Mais moi, clairement, je trouve que c'est un désavantage parce que ça veut dire que si vous devez grader, vous ne pouvez pas. Ça veut dire également que si vous avez pour objectif de coudre plusieurs fois cette même robe pour plusieurs personnes de votre entourage, à chaque fois, vous devez réimprimer la totalité du PDF. Moi, je suis plutôt du genre à imprimer le PDF avec toutes les tailles. Je l'imprime une fois, je gaspille du papier une fois, et ensuite je décalque mon patron. Mais bon, après ça c'est très personnel. Comme vous l'avez vu, ma parementure intérieure, je l'ai toute maintenue avec des petits points invisibles à la main tout du long pour qu'elle ne se balade pas et que je sois tranquille. Ça maintenant c'est une finition que je prends le temps de faire. Ça me prend quand même une petite demi-heure, une heure, je maintiens bien ma parementure et comme ça je suis sûre qu'après au porté ça ne bouge pas et quand je repasse mon vêtement ça va vite. Donc on perd un tout petit peu de temps la première fois qu'on coud son ourlet, sa parementure à la main et après on en gagne beaucoup à l'usage. Donc ça c'était mon projet couture. Donc si vous êtes un peu aguerri ou si vous ne cherchez pas des finitions parfaites aux petits oignons,
Pourquoi pas, mais si vous êtes comme moi assez pointilleuse sur les détails que votre niveau en couture est débutant, ne vous lancez pas du tout parce que je trouve que c'est un patron qui a beaucoup de oufla, qui a beaucoup de potentiel, mais qui n'est pas suffisamment abouti à mon sens. C'est un ancien patron de la gamme, je ne sais pas si la marque a évolué dans sa façon de faire. Si c'est le cas, ça serait bien qu'ils remettent à jour leurs anciens patrons aussi. Bref, c'est assez rare que j'ai un avis négatif sur un patron, mais là, clairement, j'ai été quand même déçue. On achète un patron chez une créatrice indépendante en s'attendant justement à soutenir un petit commerce avec de belles finitions, un joli travail. Jusqu'ici, quand j'achetais chez des créatrices indépendantes, je n'avais jamais été déçue. Mais là, clairement, je le suis. C'est en dessous de ce à quoi je m'attendais. Un patron à 12 euros, je m'attends à beaucoup mieux que ça. Donc, voilà, mitigé. Il y a cette espèce de petite martingale qu'on peut poser au niveau du devant. Je ne l'ai pas mise parce que bah, je l'avais faite. Hein. Je l'ai présentée, mais je trouvais que ça faisait too much. Pareil, les poches plaquées, je les avais préparées et finalement je ne les ai pas mises parce que je trouvais que ça faisait trop et que du coup ça envoyait mon patron dans un esprit très jean alors que moi je voulais plus dans un esprit quotidien et donc voilà, finalement je trouvais que c'était mieux sans. Je vais vous laisser avec les photos et les vidéos portées. Donc comme dit, le jean est beaucoup plus rouge sombre dans la vraie vie. En photo, il a tendance à ressortir un espèce de rouge framboise bien flash. C'est pas la bonne couleur, c'est vraiment rouge sombre. Je vais essayer de voir si j'arrive à améliorer la qualité des images. Mais j'ai l'impression que quelle que soit la façon dont je filme, c'est vraiment les fils framboises qui ressortent. Donc bon, voilà, vous saurez, c'est pas exactement la couleur, la couleur. Vous parler de mes projets tricot. J'ai réalisé deux projets tricot depuis septembre. Ce sont deux petits accessoires, c'est des choses qui sont allées très vite, que j'ai tricoté avec des laines de mon stock. Alors j'ai commencé par faire un petit bonnet pour Elio. Effectivement, il commence à faire froid le matin. On a déjà eu depuis quelques jours, on a plus que 4-5 degrés le matin quand on part au boulot, à l'école. Donc 5 degrés, clairement, il faut un bonnet. Même si on a 20 l'après-midi avec le soleil qui sort, le matin on est déjà à 5. Donc ça n'allait plus. Donc j'ai cherché en fait sur le site de Drops. J'avais encore plein de chutes de pelotes, des laines que j'achète chez Action. La Alison et Maë, je crois. Leur laine basique qui est 1 euro et des bananes la pelote. Et je sais que cette laine là, quand je la tricote en aiguille 4, j'ai un échantillon de 21 mailles et 28 rangs. Donc je suis allée sur le site de Drops, j'ai filtré accessoires enfants, tricot et échantillon 20-22 mailles. Parce qu'on peut filtrer par échantillon, ce que je trouve très pratique. Et du coup, je suis tombée sur ce patron de bonnet, le bonnet Green Bird. C'est un bonnet que je trouvais très sympa parce qu'il a plein de jolies côtes qui font des torsades. Donc j'ai suivi leur patron. Alors ils le proposent en deux tailles, taille 2-4 ans ou 5-9 ans. Le nombre de mailles à monter
pour le 2, 4 ans, 5, 9 ans est le même, puisque en fait avec toutes ces côtes et ces torsades, le bonnet est très extensible. C'est juste en fait la hauteur qui va changer le nombre de répétitions de torsade pour avoir plus de hauteur de tête ou pas. Là, j'ai fait une taille 2, 4 ans parce que je voulais qu'il soit utilisable tout de suite maintenant. J'ai trouvé le bonnet très facile. Alors, comme toujours chez Drops, les grilles de tricot sont hyper simples à suivre. Bon, j'ai jamais aucune difficulté avec leur patron. Ça, c'est un bonnet que j'ai fait un petit peu tous les soirs. Je pense qu'en une semaine, il a été réglé. Et le voici aussi, mon petit bonnet de chez Drops. Donc, je l'ai fait, vous voyez, en bleu ciel. Alors, c'est peut-être pas la couleur la plus intelligente. Mais c'est ce qui me restait comme chute de laine suffisamment importante. Et puis l'intérêt des laines de chez Action, c'est que eh bien, c'est du 100% acrylique. Donc déjà, je peux les laver en machine. Je peux les laver en 60 quand j'ai une alerte au poux à l'école. Hein, ce qui est pas mal, puisqu'il y en a déjà une, bien sûr, comme dans toutes les écoles, je pense. Et oui, et puis il faut pouvoir le laver à 60. Quoi. Ça, c'est un bonnet qui part tous les week-ends au lavage. Hein. Donc le voici, je trouve qu'il est très joli avec ce jeu de côtes. Il y a deux rangs de torsades et puis après on est resserré. Alors pour resserrer le bout, j'ai pas d'aiguille double pointe. J'ai fait avec mes aiguilles normales, à la fin j'ai fini avec deux aiguilles différentes sur un câble. Enfin j'ai jonglé, c'est faisable, mais je pense que si vous avez des aiguilles double pointe, c'est mieux. Et il va parfaitement bien à Elio. Hein. Alors là, vous n'aurez pas de photos ni de vidéos portées parce qu'il n'a pas envie et je ne veux pas le mettre sur les réseaux. Mais je vais vous le mettre parce que voyez-vous, moi qui ai une petite tête, eh bien, je trouve qu'il me va... Il pourrait m'aller. Hein. Alors clairement, effectivement, une hauteur de torsade en plus serait mieux. Mais j'ai une toute petite tête, je fais 52, je crois, de tours de tête. Donc bon, voilà. Après, il descend pas suffisamment, il a tendance à remonter. Pour moi, il faudrait clairement la taille au-dessus, mais il est pas mal. Je trouve que ses torsades sont vraiment super bien. Il a un joli rendu et il se monte tout seul, tout vite. Il est super. Puis une fois que j'ai fini le bonnet pour Elio, Lydie, qui m'avait vu le tricoter pendant une semaine, me dit « Ah, maman, il est trop beau, son bonnet. Est-ce que tu as encore de la laine? Est-ce que tu pourrais m'en faire un pour moi aussi ?» Et j'ai dit « Oui, mais tu vas au collège en vélo maintenant. Tu as la place de mettre un bonnet sous ton casque ?» Ah bah non. Donc, pour Lydie, on est parti dans l'idée de lui faire un bandeau. Alors, je suis pareil, toujours allée chez Drops, toujours allée dans le... filtre, tricot, échantillon, etc. Et puis on est parti sur un modèle de bandeau tout simple avec des petites côtes en fait. C'est celui-ci, Blush Ivy, je sais pas quoi. Blushing Ivy Headband. Donc le voilà, alors il le présente dans plusieurs couleurs, ça ressort plus ou moins. Bref, c'est un bandeau tout simple avec des côtes. Alors celui-ci m'a bien plu parce qu'en fait c'est pas un bandeau où en fait on tricote en aller-retour une bande et ensuite on le joint en faisant une couture. C'est tout de suite un bandeau qu'on tricote en rond et qu'on replie en deux. Donc il y a une double épaisseur de laine. Donc j'ai fait la taille S parce que alors il propose la taille S, M, L, XL, donc 52, 54, 56, 58 ou 58, 60 en tour de centimètres. Donc moi j'ai fait une taille S, 54-56, elle a 54 cm de tour de taille, donc de tête, donc c'était bon. Pareil, l'échantillon 21 mailles, 28 rangs. Alors c'est tout simple, hein, c'est des côtes 1-1 en fait. Hein, c'est une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert. Et puis on monte, je sais plus, une vingtaine de centimètres, un truc dans le genre, on plie en deux et on le coud. Donc voici son bandeau. Alors comme ça, ils sont tout petits, mais c'est très très extensible. Il n'y a pas de souci, hein, ça y va. Alors là, de ce côté, j'ai la couture, donc c'est un peu moins extensible en dessous qu'au-dessus, mais c'est extensible quand même. Hein. Donc ça fait une jolie côte, bien définie. Alors pour elle, j'ai fait en gris, parce que c'était la couleur qui lui plaisait le plus dans mon stock. Là, pareil, hop. Ça fait un joli bandeau qui monte bien haut, qui couvre bien.
Et là, c'était le drame. Moi qui voulais lui faire un bandeau bien épais pour qu'elle puisse avoir bien chaud avec son casque et tout, eh ben en fait, il est trop épais. Donc même quand elle détache la sangle de son casque, elle n'arrive pas à mettre le bandeau sous le casque. Donc bon, elle le garde quand même parce que dès qu'elle quitte le casque, elle remet le bandeau. Mais je pense qu'il va falloir que je lui tricote un bandeau du coup en aller-retour sur une seule épaisseur pour qu'il soit vraiment tout fin et qu'il aille sous son casque. Ou alors peut-être qu'il faudrait que je lui en couse un tout simplement dans une chute de polaire là, faire un rectangle et puis voilà. Je sais pas, on va faire des tests. Mais en tout cas, ça, pareil, ça c'était un projet zéro cerveau. J'ai tricoté ça en 3-4 soirs devant la télé en regardant une série. Et voilà. D'ailleurs, on a commencé sur Netflix une nouvelle série. C'est La Défense Lincoln, je crois. Ça m'a tapé dans l'œil parce que c'est adapté des livres de Michael Connelly. Ça suit les histoires, alors pas de Harry Bosch, mais de son demi-frère Mickey Haller, l'avocat. Et je me suis dit, tiens, moi qui adore les Connelly, ça m'a tenté. Et là, on vient de finir la première saison, c'est super bien. Et puis, on est content parce qu'il y a déjà 3 saisons en ligne. Parce que il n'y a rien qui m'énerve plus que commencer une série où on voit qu'il n'y a qu'une saison, mais en fait, une saison, 8 épisodes, allez, en une semaine, c'est réglé, on a fini la série, on est sur notre fin, et puis on attend un an et demi avant la suite. Donc là, on s'est dit, bon, il y a 3 saisons, on va commencer, c'est déjà pas mal, et puis si vraiment ça nous plaît jusqu'au bout, quand on aura fini, je pense que Eric, il a encore jamais lu les livres, donc s'il a accroché quand c'est fini, je lui chercherai quelques petits Harry Bosch à la... Harry Bosch, Michael Connelly, quoi, à la médiathèque et il devrait accrocher. Voilà pour mon petit bilan créatif. Donc comme vous avez vu, ma robe m'a beaucoup bloquée à un moment donné. Je suis quand même très contente d'être arrivée au bout. J'ai fait 2 projets tricot, je suis bien contente. Et aujourd'hui, je me suis acheté de la laine. Alors, toujours chez Action, hein, parce que vous le savez, moi, je suis allergique à la laine, donc je ne peux pas prendre de laine avec de la laine dedans. Il faut que j'achète toujours soit de la fibre végétale, soit de la fibre synthétique. Là, pour cet hiver, j'ai besoin d'un gilet, mais pas d'un gilet long. J'ai besoin d'un petit gilet qui puisse aller par-dessus mes blouses, par-dessus mes pantalons, quelque chose d'un peu ajusté. Donc, je suis retournée chez Action. J'ai acheté de nouveau de la Alison & Maillet. L'étiquette a un petit peu changé. Ils ont modernisé le truc. Ça fait un peu moins... Ça fait un peu moins mauvaise qualité. C'est un peu plus joli. J'ai trouvé cette espèce de vieux rose qui est très sympa, je trouve. Je n'ai encore jamais tricoté de gilet en aller-retour sur un câble. Donc, ça va être une première. Je me suis dit, pour une première, tu prends des pelotes pas chères. Si c'est bien, si tu aimes, j'aurai déjà temps d'aller m'acheter ensuite à la mercerie des pelotes d'une meilleure qualité ou je pense peut-être surtout des pelotes en soie parce que la soie est thermorégulatrice, ça tient bien chaud. Donc j'ai déjà vu en ligne des laines qui mélangent soie et lin ou soie et coton et ça pourrait être pas mal pour moi. Mais alors, au prix de l'écheveau, je vais acheter ce genre de laine quand je serai sûre que je sais gérer un gilet en aller-retour. Parce que, clairement, là, à 1 € quelque chose la pelote, là, j'ai acheté 4 pelotes. Normalement, ça me fait une quantité pull, hein, 4 pelotes pour moi. Ouais, c'est ça, il y a 238 mètres par pelote. J'ai compté qu'il me fallait environ 800 mètres pour mon gilet. Donc, largement bon, mais oui, là c'est 1 € et quelque chose. J'ai eu pour 4,25 € mes 4 pelotes. Donc, même si mon gilet est complètement raté et que je fais le Père Noël est une ordure avec, c'est pas grave. 4,25 €. Par contre, si j'achète 4 ou 5 pelotes à 20 € la pelote et que je rate mon projet, là je serais pas contente. Donc, ça va être un projet test. Et si c'est concluant, ensuite j'investirai dans des laines végétales plus qualitatives.
Vous allez me dire, Claire, la soie n'est pas végétale. Oui, je sais comment on fait la soie. Mais en fait, la soie, tout simplement, c'est pas du mouton. Moi, ce qui est allergisant pour moi, c'est la lanoline qui est contenue dans la laine. Et vous n'avez aucune laine qui est dépourvue de lanoline, puisque le mouton ou l'alpaga ou quel que soit l'animal qui fait sa toison, il sécrète de la lanoline pour rendre sa toison imperméable. Et même avec le traitement chimique le plus chimique, la laine garde de la lanoline dans sa structure. Et moi, c'est ça qui me rend allergique. Donc, tout ce qui est vraiment animal, je ne peux pas... Oui, la soie est un animal qu'on a ébouillanté pour dérouler le fil. Mais la soie, je la supporte. Au contraire, elle est même plutôt apaisante pour mon eczéma. Donc, un mélange de soie, pourquoi pas. Voilà, j'espère que ce petit bilan couture vous a plu, le projet aussi. Là maintenant, après les déboires de ma nîmoise, je vais me lancer dans 2-3 projets zéro cerveau, des patrons que j'ai déjà cousus, des choses que j'ai envie de me renouveler, pour me redonner confiance un peu, parce que je vous avouerai que ce projet m'a fait suer. Donc, on se revoit bientôt pour de nouvelles choses, mais qui devraient mieux se passer, je l'espère. Allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.